de l'acheter, de laisser à côté, de dire aussi que je veux le lire. Non, mais j'ai, en fait, je trouve que j'ai un peu calmé, parce que je me suis dit que, oui, déjà, je lis de moins en moins de romans policiers, ce qui est pour quelqu'un qui écrit les romans policiers, je ne suis pas sûre que c'est une bonne idée. Et puis, je lis énormément de documentaires, enfin, des mémoires, et je suis calmée vis-à-vis de fiction. Et quand vous étiez jeune, vous aviez déjà une boulimie pour le papier pour quand j'étais jeune, oui. Ouais. Et, quand j'étais petite, j'avais même pas... Ça commençait à 5 ans. Donc, du 5 ans et à 20 ans, ouais, la boulimie totale. Et vous êtes où, là, à 5 ans? Vous voulez dire géographiquement? Où vivez-vous, oui. À 5 ans, comme à 20 ans, j'ai vécu à Saint-Pétersbourg. Saint-Pétersbourg. Sauf que ça s'appelait Leningrad à l'époque. Oui, d'accord. Et puis, je suis partie à l'âge mais de... Mais attends, n'allons pas trop vite. Ah, bon. Et entre 5 et 20 ans, donc, là, dans la famille, il y avait déjà beaucoup de lectures. Tout à fait. Oui. J'ai mon père... Mon père est poète, était poète en fait, et ma mère est médecin. Et de toutes les manières, une bonne bibliothèque était considérée comme une obligation. Pour l'intelligentsia russe. Vous faisiez connaissance avec quelqu'un, vous venez chez lui, vous regardez les livres, et vous comprenez tout de suite, comme moi j'ai dit tout de suite, ah vous avez ça, ah tiens vous avez ça, c'est bon, on peut devenir copain. Ah, d'accord. Ou pas du tout, ça dépend de ce que vous avez dans votre bibliothèque. Oui. Vous flairez un peu, puis vous dites... Non, c'est pas mon ami, c'est lui-là. Tout de suite. Tout de suite. Et aussi, il faut dire que c'était aussi un signe de... Comment vous dire... De l'aisance sociale, parce que les livres n'étaient pas toujours accessibles. Mm-hmm. Donc elle avait toutes les collections, par exemple la bibliothèque d'aventure, avec Mahenried, Cooper et compagnie. Et vous pouvez rentrer, voir toute la collection. Être très très jaloux de cette collection, mais voir aussi que personne n'a ouvert ce livre. Ils sont vraiment là pour montrer au monde extérieur qu'il était capable, le maître de la maison était capable de se procurer de cette collection. Et des livres modernes en français? Il y avait, je pense, moi je ne me souviens pas de mon enfance, les livres modernes en français, à part Françoise Sagan peut-être. Mm-hmm. Mais on a lu beaucoup de classiques. Oui, classiques, oui. Tout le 19e siècle. Moi, la littérature française, j'étais plus marquée par la littérature anglaise. Sans doute. D'accord. Oui. D'accord. La littérature française vient un peu plus tard. Balzac, c'est plus tard que Dickens. D'accord. C'est par les études que ça arrive ou bien c'est par la curiosité de ce qu'il y a Non. Mais j'étais, bien sûr. La curiosité, oui. Personne ne vous oblige de lire tout Dickens ou tout Balzac, ou Prosper Mérimée, ou Rouge Noir, on est là parce qu'on aime. Mais comment quitte-t-on ce monde-là pour arriver alors à quitter à 20 ans la Russie, venir se plonger alors ici dans... J'ai pas plongé tout de suite. Déjà, il faut dire que j'ai fait les études en Russie, j'ai fait 5 ans d'espagnol. Je fais un an de sciences économiques et c'est là où je fais connaissance avec mon mari qui à l'époque m'a dit mine de rien qu'il faut quand même que j'essaie autre chose au niveau de la formation que les études en Russie et autre chose c'était les études à Paris. Et c'est vrai que c'était autre chose, c'était beaucoup moins théorique, beaucoup plus vivant. Je fais l'INDE dans la mode, ça s'appelle l'Institut français de la mode. Et pourquoi l'espagnol? Pourquoi l'espagnol? C'est très simple, parce que je parlais déjà l'anglais, donc ça ne m'intéressait pas. Je n'ai pas voulu parler allemand. Mm-hmm. C'était niette tout de suite, ce qui est normal pour une Russe. Mm-hmm. Élevé par ses grands-parents, en plus, pas beaucoup. Et il me restait une faculté d'espagnol, une faculté de français. J'ai commencé à étudier le français à l'école. D'ailleurs, je ne sais pas. Espagnol. Qui m'a jamais servi de ma vie. Non. Pour vous tout. À part les petits voyages à Madrid ou à Séville, non. Ah, moi, ça me servirait. Mon fils est au Pérou. Ouais. Évidemment, je devrais me mettre maintenant à découvrir l'espagnol. Ce serait très intéressant pour la famille qui s'agrandit. Enfin, et il est marié avec quelqu'un hispanophone. Oui. Alors, il faut pour les petits-enfants. Mais il parle français, comme mes autres petits-enfants qui habitent en Flandre. D'accord. La maman parle en français à ses enfants. Papa en néerlandais, en flamand. Bon, revenons un petit peu. Vous arrivez en Europe.
J'arrive à Paris, donc oui. J'ai passé 6 ans à Paris. Je suis sortie de l'EFM, j'ai fait 6 ans dans la maison de la joaillerie Place Vendôme. J'ai commencé comme une responsable d'identité visuelle, donc je me suis occupée de vitrines, de packaging, et j'ai fini comme la responsable de la communication. Mm-hmm. C'était une, je pense, troisième budget en France après Chopard et Cartier. De belles responsabilités, ça. C'était des responsabilités, surtout c'était un travail passionnant. Mm-hmm. Et puis mon mari a trouvé le job en Belgique. Et on se dit, tiens, il faut quand même laisser la place à mon mari et moi je vais suivre mon mari. Voilà. parlons de MeToo, je vais suivre voilà. Mon mari. J'ai suivi mon mari en Belgique en pensant que je vais trouver le job en Belgique. Et j'ai essayé. Et puis il y a M. Delvaux qui m'a dit que voilà, je suis overqualified. Et, ça m'a un peu coupé les ailes. Mmh. Il n'y a pas beaucoup de maisons de luxe en Belgique. Bon, voilà, c'était pas comparable. Donc, soit j'avais dû accepter le fait que j'ai le boulot, mais c'est le boulot beaucoup moins intéressant par rapport à ce que j'avais à Paris. Soit je pouvais changer le métier. Mmh. Je ne sais pas qu'est-ce qui m'a pris. J'ai changé le métier, j'ai commencé à écrire les scénarios. Et c'est assez vite marché. Au début, ça marchait très 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 bien. Je pense que, quelque part, comme disait mon ancien patron, c'était la main de Dieu pour m'écarter donc, du monde de la mode que j'adorais et le monde de la joaillerie vers l'écriture. Et puis, 10 ans après... Il y a des choses qui vous ont inspiré dans ce monde-là pour l'écriture ? Je savais toujours que je sais écrire. Oui, mais je veux dire par là, est-ce que des faits que vous avez vécus, des intrigues ou quoi, vous ont servi dans l'écriture, dans l'élaboration ? Oui, beaucoup. Non, ça sert toujours. Oui, ça sert toujours. Donc on peut reconstituer votre vie en tout à fait, mais il faut juste savoir où ça se trouve ma vie, où voilà. C'est la vie des autres, d'accord. Où c'est la vie piquée aux autres personnages. Mm-hmm. Ouais. Combien de romans ont déjà été écrits ? Je suis en train de terminer le 6e. Le 6e. D'accord. Et le premier vient de sortir en français. Tout à fait. D'accord. C'est un choix ou bien c'est une demande ? C'est une demande. C'est moi, j'aurais écrit beaucoup plus longtemps si j'avais pu. Voilà, d'accord. En Russie, on est assez speed. Oui, d'accord. Ils exigent, vraiment, c'est une pression, c'est une maison d'édition qui effectue la pression. Et d'ailleurs, le 6e roman, je n'ai pas écrit avec les mêmes personnages. Et on me dit, non mais c'est très très bien derrière, on va publier ça, il n'y a pas de souci, on va faire tout le nécessaire, mais ils sont Macha et André. Mm-hmm. Donc, mais quand on a une série de romans, puis hop, on replonge sur un roman qui a été édité il y a quelques années, qui est traduit, oui. Refaire la promotion, parce que c'est refaire une promotion, c'est ça spécial. Fait bizarre. Oui, ça fait bizarre, ça fait très spécial, parce que bon, on est plongé dans un monde, on a évolué dans un monde, on a oublié ce monde-là, parce qu'on a peut-être déjà un autre écrit. En cours de route, non, je veux vous dire, et puis vous replongez là-dedans. Plus que ça, je ne suis plus dans une série de Macha et André, mais j'ai fini le roman qui se passe en 1812. Donc je suis plongée à mort au 19e siècle, voilà. dans l'histoire de guerre napoléonienne, l'époque d'un empire et compagnie. Oui, mais il faut dire que le roman que j'ai écrit, c'est le premier roman. Je ne savais pas comment faire, donc ça m'a pris beaucoup de temps. Je fais beaucoup de recherches. Puis j'ai relu parce que les droits au roman étaient rachetés par les boîtes de production. J'ai commencé à écrire les scénarios. Donc j'ai relu. Et puis c'était traduit en anglais. Et j'ai relu pour aider la traductrice en anglais. Et puis maintenant c'est traduit en français. Et j'ai relu. Donc parfois j'ai l'impression de connaître quasiment par cœur le texte. Ce qui est assez énorme. C'est amusant parce qu'on vient de rentrer de congé. Ouais. Et là nous avons rencontré une dame à Palma. Qui enseigne la littérature française à Palma. Et dans le cadre, je vais dire, de ses activités, juste au sud de Palma, au sud de Majorque, il y a une île qui s'appelle Cabrera, où des prisonniers ont été abandonnés, plus de 5000 personnes ont été abandonnées, hommes et femmes, à l'époque de Napoléon, justement. Donc elle a été amenée à participer à des recherches historiques qui ont été faites. Puis elle a découvert, plic-ploc, l'un ou l'autre personnage. On vient de sortir aussi un ouvrage qui est ici. Ça, c'est amusant. Voilà.
c'est l'ouvrage d'Elisa Sebel, La prisonnière de la mer. Mais c'est encore, elle me dit, c'est dans le cas de mon travail d'historienne, entre guillemets, où elle avait été appelée, que là, elle a découvert pas mal de choses, mais elle se dit ça. C'est le sujet d'un roman. Tout à fait. Vous voyez, c'est comme ça que ça se passe. Voilà. On lit les choses et puis on se dit, tiens, c'est le sujet d'un roman. Et puis on se dit, tiens, on est d'accord de consacrer plusieurs années de notre vie à, pour raconter cette histoire, ou on peut faire autre chose beaucoup plus amusant. Oui, mais ça, c'était à cette époque-là. Maintenant, donc, vous avez dégusté un petit peu au style du roman policier. Et là, vous avez mené différentes intrigues dans des endroits bien spécifiques. Ouais. Vous dévoilez des choses, là. C'est dangereux. Vous y retournez parfois. Sachant que vous avez dévoilé des secrets d'État, entre guillemets, peut-être. Non. Ou des non. magouilles. Je dévoile la vie telle qu'elle est maintenant à Moscou, mais je ne pense pas qu'il y ait quelqu'un qui... Je ne sais pas. En fait, j'en sais rien, parce que je reçois parfois les feedbacks. Oui. Que tout ce que j'écris, c'est faux, voilà, que ça se passe pas comme ça. Et quand j'écris, parce que par exemple le cinquième roman, j'écris pas mal des années sur les années 50 à Leningrad, à Saint-Pétersbourg actuellement. Et donc je décris l'Union soviétique, mais pas de façon optimiste, mais de façon comment c'était, à mon avis, vraiment. Et les gens sont d'accepter ni leur passé ni leur présent. Donc ça manque de courage, de l'honnêteté intellectuelle, je sais pas, mais c'est leur problème, pas le mien. Moi j'écris comme je le vois. Vous me retirez la parole de la bouche. Vous m'avez parlé de votre métier précédent, de tout ce que vous avez fait. Vous savez que votre écriture y ressemble fort. Ah bon? Parce qu'encore une fois, le personnage, ou bien ne fût-ce que le cadre où le personnage va évoluer, on a l'impression d'être là, les bras croisés, en train de regarder, je vais dire, l'arbre, la maison, la voiture, le banc, le chien qui est en train de frétiller, et puis le type qui va s'asseoir près du banc, le bonhomme qui va se retourner. Donc, mais on est vraiment comme devant une vitrine qu'on était en train de faire, ou bien on retire les papiers, on se dit, bon, maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Voilà la vitrine, elle est comme ci, elle est comme là, je vais mettre ci, mais je vais mettre là. Donc on prépare. On va tout mettre sur papier dans son bureau, et puis on revient en disant, voilà, il faudra faire ci, il faudra faire là, voilà les papiers pour faire l'agencement. Eh bien, la façon dont vous écrivez, pour le lecteur, c'est la même façon. Pour les scènes, pour le personnage que vous présentez, vous c'est vous pas dites... plutôt les scénarios qui, pour vous, c'est vraiment... Moi, je trouve... Non, mais c'est visuel, en fait. C'est très visuel. Je suis une visuelle, oui. Ça, c'est eh bien, sûr. Ça, dans l'écriture, ça se remarque. Et je dois dire, c'est ça qui est plaisant, parce qu'encore une fois, on ne dit pas, il y a un type qui passe, non. On voit comment il est, on sent s'il a un tel parfum ou s'il fume ou quoi. On visualise le bonhomme. Et ça, je dois dire, c'est ça qui est plaisant. Et encore une fois, parfois, moi, ça me ralentit dans la lecture parce que je dis, waouh, ce type, je l'ai comme s'il était à côté de moi, quoi. C'est parfait, là. Si c'est comme ça, mais moi, je suis j'aime très bien. Contente. C'est le but. C'est mais le oui, but. Mais c'est le but. Mais c'est pas donné à tout le monde, hein. Parce que les gens peuvent raconter des histoires, ça, c'est un truc. Mais écrire et vous mettre dans l'état où la personne que vous lisez, qui existe, vous la retrouvez à côté de vous, c'est pas donné à tout le monde. Et là, maintenant, le problème, si vous voulez, c'est vous débarrasser des personnages. Là, ça fait déjà 5 romans que j'écris avec les deux personnages. Mm-hmm. Je suis un peu... Je sais pas trop quoi faire. Et au moment donné, j'étais à la rencontre avec les lecteurs à Saint-Pétersbourg, et j'ai dit à notre roi, bah, je sais pas ce que je vais faire avec André, parce que je vais le tuer. Et vous pouvez pas imaginer le scandale. Et puis, il y a un autre personnage, je ne veux pas le dire, mais que j'ai déjà tué dans ce roman, et j'étais accusée de tuer un garçon si sympathique. C'est-à-dire que c'était mon garçon préféré, j'étais quasiment amoureuse de ce garçon, et tu l'as tué, comment tu aurais pu faire? Voilà. Non, mais voilà, oui, mais c'est... C'est les règles du genre, il faut toujours tuer quelqu'un, malheureusement. Surtout dans, voilà. Surtout et dans le genre policier. Il faut quand même qu'il y ait il faut de l'émotion. Donc on ne peut pas tuer que des gens désagréables, il faut parfois tuer des gens sympathiques et charmants. Donc, parce qu'on découvre le premier. Oui. On espère que dans quelques mois, un an, deux ans, il y aura une traduction du second, du troisième. Donc on va découvrir, je vais mieux. Est-ce qu'il y a un lien d'un livre à l'autre ou bien... C'est l'histoire d'amour. Voilà. C'est l'histoire d'amour. Ouais.
c'est les deux personnes. Et c'était prévu dès le départ ou bien c'est venu au fur et à mesure de la... Dès le départ, je n'ai pas du tout prévu. Bon, d'ailleurs. Dès le départ, c'était pas prévu d'écrire un roman. Dès le début, c'était prévu d'écrire un scénario et passer à une autre chose. Puis, dès le départ, c'était prévu d'écrire un seul roman. Et puis, comme c'est pas du tout ce que je voulais faire au niveau d'investissement personnel, je pensais que je vais terminer sur ce roman. Et puis, fini. Et vous savez, il y a des... je suis sûre que pour être un bon écrivain, il faut être un graphomane. Et je ne suis pas une graphomane. Mais je suis devenue, à force de devoir écrire, d'avoir une maison d'édition derrière, qui dit rien. Et surtout, c'est ridicule, parce que officiellement, je ne dois rien à ma maison d'édition, ou je ne dois pas énormément à mes lecteurs, parce qu'il y a quand même pas mal de piratage en Russie, et il faut vous dire que 80% de mes lecteurs me lisent sur les sites piratés, de pirates, gratuitement. Mais ça ne les empêche pas de m'envoyer les mails, ok, et de dire derrière, le prochain livre. Et je suis gênée. Je me suis dit, bon, ok, je mets de côté les scénarios. Et je dis, ben, je vais écrire un roman. Mais il faut dire aussi que par rapport à l'écriture des scénarios, on commence à prendre un plaisir parce qu'on est moins frustré. Hein. Mm-hmm. À la fin, notre roman, au moins l'original du roman, ça nous appartient. Il n'y a pas le réalisateur qui vient à la fin et qui change les scènes. Il n'y a pas les acteurs qui oublient les paroles. Il n'y a pas le producteur à la télé qui me disent « Oh non, derrière cette scène, je ne peux pas me permettre. C'est pas possible politiquement. Politiquement, c'est pas correct. » Donc, c'est votre roman. Donc, si maintenant je reviens une septième fois sur la relecture de mon dernier livre, parce que je veux que ça soit... pas parfait, c'est jamais parfait. Je sais que je vais, une fois que ça va être publié, je vais prendre mon livre, je vais lire une page, ça va m'énerver. Je me dis, tu aurais pu faire mieux, mais encore mieux, mais regarde, Mireille, tu aurais pu remplacer ce mot-là avec cela, changer de place, et côté rythme, ça sera beaucoup mieux. Mais on essaie de faire de notre mieux, tandis qu'au niveau des scénarios, on sait que même si on essaie de faire de nos mieux, entre nous, et la version finale, il y a tellement de gens qui se passent, qui met chacun, comme on dit en Russie, leurs 5 copecs, que le résultat est très loin de notre résultat personnel. Vous avez abordé le piratage. Ouais. C'est vrai que c'est quelque chose d'épouvantable. Parce qu'encore une fois, pour pouvoir vivre des droits d'auteur... Mais c'est quand je dis que je ne pensais pas écrire le roman, et quand je réponds à la demande des lecteurs, ce n'est pas une demande... économique, je veux dire, je sais qu'en consacrant des mois et des mois à mon roman, je vais gagner beaucoup moins qu'avec les scénarios. Je le fais juste parce que je me sens obligée, je suis un peu gênée, voilà, je suis un peu gênée, je ne sais pas pourquoi. Mais voilà, c'est... non mais il faut dire que je commence à prendre plaisir, je suis devenue une graphomane, voilà, il faut accepter ça, je suis devenue une graphomane. Mais enfin, bon, c'est un plaisir de parler de ce premier ouvrage qui date déjà maintenant d'il y a 5 ans dans la langue originale. Oui. On le ressort maintenant. Il y a tout un accompagnement qui se fait par les attachés de presse, par les journalistes que vous allez rencontrer. Très bon attaché de presse. Oui, elle est efficace. Oui. Tout à fait. Vous savez, ce que vous êtes ici, c'est qu'elle est efficace. Non. C'est pas parce que j'écris mon livre, on est d'accord. On sait. Non, mais voilà, mais bon. Je suis d'accord. Non, mais bon, je cette promotion est preneur de temps aussi. Cette promotion est preneur de temps. Oui. Vous avez le temps pour cette promotion? Écoutez, j'ai... Vous avez le temps qui était là, si, qui vous permet dans... On n'a jamais le temps. Vous n'avez jamais le temps. On n'a jamais le temps. Si on y pense, on a le temps pour faire quoi? C'est-à-dire ce que, qu'on de toute façon, oui. Voilà, il faut faire les choix. Déjà, on ne sait pas combien il nous reste, soyons clairs là-dessus. Est-ce que de ce qu'il nous reste, on a le temps pour faire des voyages? Est-ce que le temps qu'il nous reste, il faut passer avec la famille au maximum? Est-ce qu'il faut utiliser ce temps pour épanouissement personnel, donc l'écriture? Ou il faut vraiment se faire plaisir, rencontrer les gens, avoir des conversations agréables? Ou parfois on vous dit des choses agréables sur vos livres?
et vous avez un sommeil plus tranquille. Voilà, oui. Voilà, c'est toujours la question de choix. Oui, oui. Mais encore une fois, bon, la promotion est preneur de temps, mais quand on est consacré dans la recherche historique, dans l'écriture d'un nouveau... Par rapport à ça, c'est rien, c'est vrai. Là, c'est rien. Non, mais vous pouvez pas imaginer ce qui se passe dans mon bureau, à l'intérieur de mon ordinateur. C'est... Bah, en fait, vous pouvez imaginer, parce que vous avez ici des livres, donc non, vous pouvez imaginer ce qui se passe chez moi. Je veux dire, c'est pour ça que bien souvent, moi, ici, les téléphones sont coupés. Je réponds jamais aux messages, je dis rien du tout, parce qu'encore une fois, on est plongé dans quelque chose, ou on a peut-être on est plongé dans la lecture, on a une chronique à réaliser. Bon, elle sort quand elle sort, parce que au moins je n'ai pas le stress de devoir la sortir rapidement. Mais c'est vrai que quand je suis plongé, je deviens sourd. Même, je fais semblant d'être sourd aussi parfois, parce que pour être isolé dans ma sphère, quoi. Non, mais, et puis j'adore, j'ai compris que j'adore une partie de recherche. Ah, mais voilà. J'adore. Et là, il faut être concentré, hein. Oui, et surtout, il ne faut pas rater de petits cadeaux que vous allez faire au lecteur par après. Que vous faites absolument, qu'on vous offre par hasard, quand vous, en fait, que la réalité vous offre pour vous remercier de votre travail. C'est-à-dire que si vous creusez suffisamment bien, par exemple, dans le cas de Jérusalem Céleste, je suis tombée sur un article sur l'architecture médiévale à Moscou. Okay, donc c'était le point de départ. Mais je savais que ça ne suffit pas. Il me faut encore une source pour bien construire mon histoire policière. Et je commençais à lire. Et puis je suis tombée sur un manuscrit orthodoxe, médiéval, fantastique, qui allait parfaitement. Je me suis dit... Mais bon, et la même chose se passe maintenant avec les guerres napoléoniennes. Hein, ah oui, c'est ça, c'est chercher, c'est creuser. Et puis, boum, on découvre les choses là où on ne savait pas les découvrir. Et qu'on a encore le temps, parce que c'est un passage initial, on a encore le temps d'intégrer dans le... Alors, on va un peu parler de l'ouvrage qui est sorti ici. C'est une sacrée bonne femme, cette Jeanne-là. Oui, c'est ma fille préférée. Oui, j'ai l'impression. Bon, elle a vécu des choses... La disparition du père, évidemment, ouais. C'était un fait certain. Bon, elle va partir à la recherche de quelque chose qui est épouvantable, encore une fois, toute jeune, 12 ans, elle a déjà, où son mentor lui dit, son superviseur lui dit, mais écoute, il y a quelque chose de bizarre qui se passe avec toi, j'ai rien à mettre sur l'ouvrage que tu me mets sous le nez, parce qu'encore une fois, même moi je ne suis pas capable pendant un an ou deux ans de découvrir tout ce que tu as découvert ici. Tu as sûrement travaillé plusieurs années. Une fille passionnée. Voilà. Et il découvre, oui, une fille qui est passionnée, il découvre un travail extraordinaire. Et là, je veux dire, bon, est-ce que ça va plaire à son futur chef? Parce que, bon, elle va rentrer dans un métier qui va lui permettre peut-être d'avancer dans ses recherches. Mais... Et il est pistonné, en plus. Et pistonné. Et il est brillant, mais il est obligé d'être pistonné pour entrer là où il veut rentrer. Tout le monde sait qu'il est pistonné. Et donc... Dès le début, l'ambiance est parfaite. Non, mais c'est vrai que... Et surtout, déjà, j'aime bien la fille. Et puis, encore une fois, pour dire que très souvent, quand on écrit, on ne sait pas vraiment où on va arriver. Parce que dans le cas de Macha et de ce roman, je suis arrivée à un paradoxe dont on peut parler après, pas devant la caméra, parce que vous avez fini. Non, vous n'avez pas fini. Non, on ne va pas encore parler de paradoxe. Mais oui, il y a un paradoxe, il y a une très jolie... On ressort avec une très jolie forme classique, comme dans l'ère empire, mais c'était pas du tout prévu au début. Donc c'est nous mettre l'eau à la bouche. Je sais pas, mais moi j'étais étonnée. En fait, non mais attendez, pour vous dire à quel point on n'est pas conscient de choses. Donc j'écris un livre, ça avançait très très lentement, c'était mon première expérience, je savais pas comment y prendre. J'écris les plans, j'écris par des chapitres, et puis je sortais plein parce que chaque personnage qui est tué, il y a quand même pas mal de personnages qui sont tués, j'écris une histoire pour ce personnage que après j'ai sorti parce que je l'avais trop, ça avançait pas, je voulais que ça soit bien énergique le pace de roman. Et puis comme je vous avais dit, j'ai relu pour écrire le scénario et c'est là où j'ai compris là où je suis arrivée. C'est intéressant, c'est le hasard. C'est le hasard. Ouais.
je ne veux pas me comparer avec le comte Tolstoï, mais c'est lui qui disait, mais qu'est-ce qu'il a fait, Anna Karenina? Il se lançait sous le train, mais vraiment, j'aurais jamais pu deviner. C'est vrai qu'il y a des choses qui se passent comme ça. Comme il y a beaucoup de choses qui vont se passer dans le voyage, que nous allons avoir plaisir à parler à nos amis, évidemment. Merci. Voilà, je vous remercie d'être venu me voir. Merci. À très bientôt.